Sana shama bell Misha. Une ligne. Ici, ils ont laissé beaucoup de stock de. Télévision. Ah, je n'ai pas mal. Ilikuwa gala la mabomu. Kama una manga unaweza kuangalia. Lakini kuna hewa kali kidogo. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. La population de Rutshuru, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont endurée avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée. C'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, et qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Chanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières de FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23.